Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Explique-moi ça. Aujourd'hui, je vous présente Concept. Concept, eh c'est un super concept pour pas faire de jeu de mots. Euh, c'est un jeu où il va falloir faire deviner des mots sans parler. Et vous allez me dire, on peut faire deviner des mots sans parler Eh bien, oui, parce qu'ils ont vraiment prévu tout. Euh, nous pouvons jouer, vous voyez ici, de 4 à 12 et plus de joueurs. En fait, vous pouvez jouer dès que vous êtes deux, puisque le but du jeu, c'est de faire découvrir à l'autre quelque chose. C'est super sympa avec les enfants. Du coup, vous pouvez faire choisir vos mots et prendre des mots adaptés à vos enfants. Donc, du coup, même à 7 ans avec ma fille, on s'y amusait. Donc, les 10 ans, ça ne veut rien dire. La durée, c'est pareil. Si vous voulez vraiment faire une partie, ça peut être 40 minutes. Mais si vous voulez faire découvrir qu'un mot le soir, un petit rituel, nous, c'est ce qu'on faisait. On avait le petit rituel en sortant de, juste avant de manger, on faisait découvrir un mot. Ça prenait 10 minutes et on passait après à table. Donc voilà, donc il n'y a pas de durée réelle de temps. Comment ça se passe Nous avons ici un gros plateau qui est le plateau pour tout le monde. Nous avons plein d'explications différentes, plein de petites images différentes. Ici, elles représenteront par exemple les objets. Alors je ne vais pas toutes les faire parce que vous voyez, il y en a tellement. Vous avez plutôt les filles, c'est en rose. Bon, on comprend que c'est pour faire deviner par exemple une fille, on se mettra ici. Un garçon, bah plutôt de ce côté. Euh, nous avons, euh, si c'est une musique ou une chanson, on se mettra plutôt là. Et si c'est un livre ou quelque chose de culturel, euh, ici. Nous avons les animaux, on peut faire découvrir un objet qui vole. Bah, par exemple, si je dois faire un cerf-volant, je mettrai sûrement euh, quelque chose qui vole. Euh, D'accord euh, Nous avons ici les aliments, ici toutes les parties du corps. Par exemple, une genouillère, bah, je, me mettrai, je mettrai un petit cul pour dire que ça fait partie d'un endroit qui se trouve dans la jambe. Euh, nous avons ici bah, quelqu'un de content, pas content. Nous avons les différentes formes, euh, les différentes tailles. C'est quelque chose de gros, de petit, ainsi de suite. Nous avons les températures et ici nous avons les couleurs. Donc nous avons ici des cartes. Euh, du coup, bah, par exemple, on va en faire une. Donc euh, je dois par exemple faire deviner, deviner des mots ici. Donc du coup en bleu c'est les plus faciles, en rouge ça devient quand même compliqué, et gris, bah, c'est vraiment euh, plutôt compliqué. Donc là vous avez en facile crotte de nez, vin et top. En rouge, c'est euh, 50 nuances de gré, euh, Velcro, euh, Sophie, euh, Velcro et Sophie Marceau. Alors là déjà, j'imagine même pas. Statue de la liberté, mendiante, ne pas avoir les yeux en face des trous. Vous voyez, ce n'est pas forcément facile. Alors on va prendre, moi je vais prendre le plus facile, je vais prendre du vin. Hein, parce que crotte de d je vois pas trop comment je vais faire. Alors du vin. Alors nous avons en premier un point d'interrogation. Le point d'interrogation, c'est vraiment le c'est là où on place c'est le plus important. Ce qui fait ce qui va nous donner le, le plus d'indices. D'accord On va pas le mettre par exemple sur une couleur. Mais on va le mettre sur l'indice le plus important. Donc du coup, je prends de couleur verte. Et donc du coup, par exemple, je vais le mettre. Donc pour du vin, ben c'est un liquide. Vous voyez C'est quelque chose de liquide. Et maintenant, je vais essayer de faire deviner. Alors bon, forcément, vous allez me dire du vin. Et eh ben du coup, on va dire que c'est rouge. C'est plutôt rouge hein, le vin. Ou on pourrait mettre aussi blanc, mais on va essayer au fur et à mesure qu'on pose les pions, les gens essayent de deviner. Ils peuvent commencer déjà à deviner. Alors des fois, ils vont vous dire de l'eau, du machin. Donc rouge. Ah alors du sang, ainsi de suite. Et vous mettez par exemple un petit cube de la même couleur ici, alimentaire. Alors ce n'est pas du sang puisque un liquide rouge euh, alimentaire, c'est pas du sang. Donc au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va vous dire du vin. Et s'il si dit du vin, et bien effectivement, il a gagné. Alors, soit vous faites en partie et vous lui donnez une petite ampoule, ou soit vous jouez comme ça, comme on faisait nous, et du coup, bah, et du coup, tu dis, c'est bah, bra bravo, tu as gagné au joueur suivant. Alors, nous avons aussi des sous-concepts. Là, j'ai pris un truc facile, mais bien sûr, il peut y avoir des trucs plus compliqués. Par exemple, je peux décider de faire un sous-concept. Alors, c'est quoi un sous-concept par exemple, on me demande de faire découvrir la statue de la liberté, euh, pas la statue de la liberté, la tour Eiffel. Donc, du coup, euh, on va essayer de trouver un, la tour Eiffel. Alors, la tour Eiffel, je vais essayer de trouver un truc, un bâtiment. Donc, euh, bâtiment, vous voyez, j'ai ici bâtiment. Donc, ça, c'est le plus important. Je cherche un bâtiment. Euh, le bâtiment, il est comment, d'après vous, ben, il est plutôt de structure métallique. Vous voyez et donc là, du coup, euh, j'aurais besoin de dire qu'il est qu en France ce bâtiment. Et donc, du coup, pour dire un sous-concept, on va prendre une autre couleur, par exemple, et je vais dire que est dans, donc c'est un bâtiment métallique, et le sous-concept, il se trouve dans un pays, d'accord, sur le globe, et le pays, il est euh, bleu, blanc, rouge, bleu, blanc, rouge. Et là, peut-être que la personne elle va dire Ah ben oui, euh, c'est la tour Eiffel. Mais peut-être elle ne va pas trouver. Mais ben, du coup, vous pouvez dire ben, le bâtiment, euh, donc c'est un bâtiment métallique, mais comme la personne ne trouve pas, ben, vous pouvez dire, vous voyez ici, il est très grand. Vous voyez, la flèche dit il est très grand. Ah, elle ne trouve pas non plus. Alors du coup, ben, je peux essayer de dire et euh, euh, eh bien il ressemble à un triangle. Et là, au bout d'un moment, ben, les gens vont deviner que c'est euh, la tour Eiffel. Voilà. Donc vous avez compris, c'est pas très compliqué, vous avez euh, des tonnes de cartes avec des tonnes de, 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 de mots à trouver, il y en a euh, comme Elf, il y en a qui paraissent très compliqués, il y en a d'autres qui paraissent faciles. Euh, je vous rappelle que par exemple, 50 nuances de gré, on l'a vu tout à l'heure, ben, par exemple, moi je mets, il euh, n'y a pas précisé dans la règle qu'on n'a pas le droit de mettre euh, 5 pions sur le 1. Du coup, 5 pions sur le 1, ça fait 5. Et si vous mettez un sur le 0, bah, la personne au début elle va penser à 0,5, mais peut-être qu'elle va penser à 50. Voilà, donc du coup c'est infini les possibilités. On peut imaginer plein de choses. Écoutez, euh, je trouve ce jeu vraiment sympa et je vous conseille de l'acheter. Euh, et pour jouer avec vos enfants, c'est très bien. Allez, à bientôt et surtout n'hésitez pas à vous abonner. Ça n'arrête pas de monter, donc je suis très content. Les abonnés montent petit à petit. Il manque encore des questions. On pourrait aussi se faire un challenge sur cette vidéo si jamais certains veulent essayer de me faire découvrir des mots ou moi je peux vous en faire découvrir si jamais ça vous intéresse. Donc à très bientôt. Ciao, ciao.